Qui je suis, de Pier Paolo Pasolini, par Pierre Clémenti, réalisation Blandine Masson. Je suis quelqu'un qui est né dans une ville pleine de portiques en 1922. J'ai donc 44 ans, que je porte bien. Et même hier, deux ou trois soldats dans un bosquet à Putain m'en ont donné 24. Pauvres garçons, qui ont pris un enfant pour quelqu'un de leur âge. Mon père est mort en 59. Ma mère est vivante. Je pleure encore, chaque fois que j'y pense, sur mon frère Guido, partisan tué par d'autres partisans communistes. Sur les montagnes maudites d'une frontière déboisée avec de petites collines grises et des préalpes désolées. Quant à la poésie, j'ai commencé à 7 ans. Mais je n'étais précoce que par la volonté. J'ai été un poète de 7 ans, comme Rimbaud, mais seulement dans la vie. La chose la plus importante de ma vie a été ma mère, à laquelle s'est ajoutée maintenant seulement Ninetto. En 42, dans une ville où mon pays, étant lui-même qu'il semble un pays de rêve, avec la grande poésie du nom poétique, fourmillant de paysans et de petites industries, beaucoup de bien-être, bon vin, bonne chère, gens polis et rustres, un peu vulgaires, mais sensibles, dans cette ville, j'ai publié mon premier petit recueil de vers sous le titre, alors, conformiste, de poème à Casas, dédié par conformisme à mon père, qui a reçu au Kenya, où il était prisonnier, victime, ignare et sans esprit critique de la guerre fasciste. Ça lui a fait un immense plaisir, je le sais, de le recevoir. Nous étions de grands ennemis, mais notre inimitié faisait partie du destin. Elle était hors de nous. Et, signe de notre haine, signe inéluctable, signe qui, pour une enquête scientifique, ne trompe pas, qui ne peut tromper, ce livre, qui lui était dédié, était écrit en dialecte frioulan, le dialecte de ma mère, le dialecte d'un monde petit, qu'il ne pouvait pas ne pas mépriser, ou tout au moins accepter, avec la patience d'un père. Et cela à cause d'une précédente contradiction, une de celles, encore, qui ne peuvent tromper les scientifiques, où l'on parlait ce dialecte, il est tombé amoureux, amoureux de ma mère. Ainsi, à travers elle, le petit monde inférieur, paysan, presque nègre, qu'il méprisait, l'avait rendu esclave. Mais cette fois encore, lui ne le savait pas. Il ne savait pas que son maître était cet amour qui, à travers une femme enfant, ma mère, belle, avec une belle poitrine, une âme trop innocente, d'ange inapte à vivre hors des villages, justement hors des champs, avait rendu vaines toutes ses certitudes morales de pauvre homme fait pour être lui, le maître.
Ainsi, ce dialecte était une chose diabolique. C'était le centre de 1000 contradictions. À la fin de la guerre, il est rentré en Italie avec ce petit livre de vers friolant dans sa valise. Relique sacrée, souvenir de famille, attestation de grandeur, ne fût-ce que futur. Avec la fin du fascisme, commença la fin de mon père. Ce que je dis là, du fascisme, est un alibi. Par lequel je justifie aussi ma haine injuste pour ce pauvre homme. Et je dois dire toutefois que c'est une haine horriblement mêlée de compassion. Maintenant que, sans les mériter, j'ai 44 ans, à peu près l'âge qu'il avait, au temps de mes premières poésies. Je le vois hors de mon histoire, dans un épisode qui m'est totalement étranger, dans lequel je suis un héros objectif et coupable, parce que je dois rappeler que, outre mon amour initial pour ma mère, il y a aussi un amour pour lui, et un amour sensuel. Je dois rappeler mes petits pas de garçonnette de 3 ans, dans une ville misérablement perdue, parmi les montagnes, à l'air déjà un peu autrichien, presque aux sources d'un fleuve au nom de musée, de guerre et de misère. Un fleuve plus clair entre de grandes grèves au pied des monts. Mes petits pas au bord d'une route frappée par le soleil qui n'était pas ma vie, mais celle de mes parents, vers le fossé où mon père, jeune homme, était en train d'uriner. Je dois encore ajouter, pour finir cette histoire qui détonne dans l'ensemble de mon poème, que ces vers frioulants sont mes plus beaux vers, avec ceux écrits jusqu'à 23, 24 ans, publiés plus tard sous le titre « La meilleure jeunesse ». Et avec les vers italiens de la même époque, nés de cette profonde élégie frioulane de masochiste, exhibitionniste et masturbateur entre les mûriers et les vignes vues avec l'œil le plus pur du monde, il s'appelle ces vers le rossignol de l'Église catholique. Et leur fossé est encore une musique atroce et subtile qui, de là-bas, me fascine et m'attire en arrière. Je ne peux rien vous dire d'autre de mon séjour dans ce pays d'orage et de primes verts. Un peu d'Orient, à la frontière petite bourgeoise de l'Autriche, des journalistes italiens, fascistes ou simplement anticommunistes s'en chargeront, peut-être. Domattina alle 7:15, hai capito? Non dubbi. Com'è andata? È andata bene. Hai dovuto aspettare Marimma tutta a posto. Che c'è qua? C'è lavoro pure per te. C'è da fingere il cetturino del berretto che me balla. Vieni qua, guarda un po'. Ognuno c'ha lo scomparto suo. Lo vedi quanto è grande? J'ai fui avec ma mère et une valise et quelques joies qui se révélèrent fausses sur un train, lent comme les trains de marchandises par la plaine frioulane, couverte d'une légère et dure couche de neige. Nous allions vers Rome. Nous nous en allions donc. Une fois mon père abandonné à côté d'un petit poil de peau avec sa vieille capote militaire et ses horribles colères de sirotique et ses syndromes paranoïdes, j'ai vécu cette page de roman, la seule de ma vie. Pour le reste, j'ai vécu au sein d'un poème lyrique, comme tout possédé,
J'avais aussi parmi mes manuscrits mon premier roman. C'était l'époque du voleur de bicyclettes. Et les hommes de lettres découvraient l'Italie. Maintenant, je ne suis plus un homme de lettres. Je les évite. Je n'ai rien à faire de leur prix et de leur presse. Nous arrivâmes à Rome, aidés par un oncle doux qui m'a donné un peu de son sang. Moi, je vivais comme peut vivre un condamné à mort, toujours avec cette pensée comme un fardeau, déshonneur, chômage, misère. Ma mère en fut réduite pendant quelque temps à faire la bonne. Et moi, je ne guérirai plus de ce mal parce que je suis un petit bourgeois et que je ne sais pas sourire comme Mozart. Dans un film intitulé « Des oiseaux, petits et gros », j'ai essayé, c'est vrai, de faire œuvre comique, suprême ambition pour un écrivain, mais je n'y ai réussi qu'en partie. Parce que je suis un petit bourgeois et que j'ai tendance à tout dramatiser. Comment je suis devenu marxiste? Eh bien, j'allais parmi de petites fleurs printanières, blanches et azurées, celles qui naissent juste après les primes verts. Et un peu avant que les acacias ne se couvrent de fleurs parfumées comme de la chair, qui se décompose dans la chaleur sublime de la plus belle saison. J'écrivais sur les rives de petits étangs que, là-bas, dans le pays de ma mère, d'un de ces noms intraduisibles, on appelle Fondé. Avec les fils de paysans qui se baignaient innocemment. Parce qu'il était impossible, devant leur vie, alors que je les croyais conscients de ce qu'ils étaient. J'écrivais les poèmes du Rossignol de l'Église catholique, c'était en 43, en 45, tout fut différent. Ces fils de paysans un peu plus âgés se mirent un jour un foulard rouge autour du cou et marchèrent vers le chef-lieu de canton avec ses portes et ses petits palais vénitiens. C'est ainsi que je sus que c'était des journaliers. Et qu'il y avait donc des patrons. Je fus du côté des journaliers et je lus Marx. L'Italie des années 50 n'est pas l'Italie d'aujourd'hui. C'était une Italie populaire, agraire, pré-industrielle, etc. Et maintenant, l'Italie est devenue un pays néo-capitaliste. Elle a eu la plus grande évolution de son histoire, peut-être. Et alors, moi aussi, j'ai changé avec l'histoire de mon pays. Macatone, l'Évangile, etc. ont eu comme destinataire le peuple, comme classe sociale. Mais maintenant, on ne peut plus parler en Italie d'un peuple dissocié de la bourgeoisie. Aussi, en Italie, il y a la culture de masse. Et alors, je ne peux pas faire des films dont le destinataire est le peuple. Il faut que je fasse des films dont la destinataire, c'est la masse, et je ne veux pas. Mais le peuple, c'est une chose concrète. C'est une classe sociale in carne et os, en italien, vivant, concrète, physiquement vraie. La masse, c'est une abstraction. Oui. Qui comprend toutes les classes sociales, un phénomène de la civilisation de la consommation. Le peuple, c'est un phénomène pré-industriel. Fior de limone, ma chi sarà sto giovane per bene? Un popolano oppure un gran signore? E lei che mi fa vivere fra le pene, la guanto e la trascino, la porto in processione. Fiore di limone, ma chi sarà sta giovane per bene?
Hai visto mia moglie? Ascenza! Ascenza! Lo vedi chi c'è? Quel bell'uomo di tuo marito! Ah, ma fra quanto staccate qua? A momenti. È da stamattina alle 6 che stiamo a combattere con ste bottiglie. Sono disgrazie che capitano. À Rome, de 1950 à aujourd'hui, août 1966. Je n'ai fait que souffrir, et travailler, vorasement. J'ai enseigné après cette année de chômage et d'agonie dans une petite école privée pour 27 dollars par mois. Entre-temps, mon père nous avait rejoints et nous ne parlâmes jamais de notre fugue, celle de ma mère et moi. Ce fut un fait normal, un déplacement de temps. Nous habitâmes une maison sans toit ni crépi, une maison de pauvres dans l'extrême banlieue, près d'une prison. Il y avait un pied de poussière l'été. L'hiver, c'était un marais. Mais c'était l'Italie. L'Italie, nue et fourmillante, avec ses garçons, ses femmes, ses odeurs de jasmin et de pauvres soupes. Puis les couchers de soleil sur les champs de la ville, les tas d'ordures. Et pour ma part, mes rêves intègrent de poésie. Tout dans la poésie pouvait avoir une solution. Il me semblait que l'Italie, sa description et son destin dépendaient de ce que j'en écrivais. Dans ces vers imprégnés de réalité immédiate et non plus nostalgique, comme si je l'avais gagné par ma sueur. Le fait que je fus riche de culture et d'amour n'avait pas d'importance. Le fait que certains jours je n'eusse même pas à s'en lire pour me faire raser en avait beaucoup plus. Mon profil économique, bien qu'instable et fou, était à cette époque sous de nombreux aspects pareils à celui des gens au milieu desquels j'habitais. En cela, nous étions vraiment frères, ou tout au moins semblables. C'est pour cela, je crois, que j'ai vraiment pu les comprendre. Et pour comprendre mes romans intraduisibles, lisez la préface d'Oscar Lewis à son roman enregistré. C'est tout à fait ça. La bourgeoisie italienne aussi peut être raciste. Elle n'en avait pas encore eu l'occasion. La première et la plus petite occasion, mes romans l'ont provoqué. J'ai éprouvé ce que peut éprouver un noir à Chicago. La terreur. Mais j'oublie vite. Et toutes les terreurs ne sont devenues qu'une chose sûre et au-dessus de moi. Une chose spéciale, cette chose. Et ainsi je l'ai mise de côté et enturée dans mes entrailles. Et il m'en est venu un ulcère, dont certainement tôt ou tard je mourrai. Sale coup pour le rêve ininterrompu de ma jeunesse.